Pour commencer, sur l'assiette beige, vous aurez une pâte de fruits de tomate et kimchi, qui est un piment japonais. Sur le rondin d'acacia, vous aurez une tartelette au sarrasin, accompagnée d'un houmous au sésame noir. Sur le galet, c'est un okonomiyaki, qui est une spécialité japonaise. C'est un blinis de chou blanc accompagné. Donc sur le dessus, c'est une petite crème de poireau et wasabi. Et pour terminer, dans le bol, ce sont des acras aux épices colombo. Parfait. Bonne dégustation. Pour commencer, pour vous mettre en appétit, c'est une piprade de poivron, sabayon au safran de français et cecina, qui est un jambon de bœuf espagnol. Bonne dégustation. Merci. Voilà, donc c'est du vieux jaune qui a été mariné dans du gros sel, des petites herbes pendant une journée. Après, je l'ai mis à dessaler. Et après, on va les tailler des fines tranches. Donc là, maintenant, on va l'assaisonner. On va mettre un peu de zeste de kombava. Donc pas de sel surtout, parce qu'il a déjà été mis en saumure. Donc pas de sel, un peu de zeste de kombava. On va les mettre des ben macaen, histoire de ramener un petit peu de fraîcheur. Un tout petit peu d'huile d'olive. Ensuite, on va y ajouter le guacamole d'avocat. Quelques petites groseilles. Ça apporte de l'acidité. Complètement. Complètement. Et également, pour amener de l'acidité, on a fait des petites pickles, des petits pickles d'oignons de Florence. Donc ça, c'est un oignon qui ressemble un peu à l'échalote. Oignon de Florence. Oignon de Florence. Voilà, ça vient de la ferme de la Touche, juste à côté. Voilà. Ah oui, c'est les nouveaux à Chidney. Ouais, ils sont à Chidney. Ouais. Voilà. Et puis après, pour le côté un peu couleur, on va rajouter des petites fleurs de sauge. Ramasser juste à côté. Voilà, un petit peu de germe de petit pois. Et ensuite, pour le côté crémeux, on va rajouter un petit peu de burrata. Donc c'est de la burrata qui est mixée. J'aime bien aimer, moi, là, j'avais découvert le burrata chez toi la première fois. Ah oui, ah oui, oui, c'est pas mal. J'ai bien aimé ça. Bah, ça ramène un petit peu de crémeux. Ouais, je connaissais pas, donc c'est de la mozzarella avec un peu plus de crème. Avec de la crème, c'est exactement ça. Et puis des petites fleurs de bourrache. Voilà, on fait le foie gras du coup. Oui, voilà. Donc là ensuite, on va faire le foie gras. Alors c'est un foie gras à la feta que je fais. Vous voyez, on a la feta à l'intérieur du foie gras. Pressé de foie gras et feta. Oh ouais. Étonnant, en fait. Étonnant, oui. Ça me... Vous allez voir. Hop. Donc là, on va rajouter des petites tomates que j'ai fait confire. Tomates rouges, tomates vertes, une petite framboise. Encore l'acidité, là. Voilà. Les petites olives de Kalamata, la meilleure olive du monde. Ah. Je dirais que l'olive de Nice, c'est pas mal. Ah ouais, ouais. Moi, l'olive de Kalamata, je suis un fervent. Pareil, pickles d'oignon rouge avec du vinaigre de framboise. On va ajouter du concombre. Petit concombre. Pareil, des petites herbes, plus de radis. Et en fait, au dernier moment, je rajouterai une émulsion de tomates. D'accord. Tout autour. Et à côté de ça, il y aura pareil, mais ça sera fait au dernier moment, il y a un petit condiment concombre olive avec par-dessus un crémeux à la feta et poudre de feta qui vient ramener un côté fraîcheur. D'accord. Voilà. Ça, on le fera au dernier moment. Pour madame, vous aurez le foie gras dans l'esprit d'une salade grecque, à savoir un pressé de foie gras. Vous aurez juste au centre, donc, de la feta de Limnos, olive de Kalamata. Vous aurez une émulsion concombre et tomate green zebra marinée. Dans le pot, c'est une émulsion donc de feta accompagnée d'une grenoise d'olive et concombre. Pour monsieur, vous aurez donc le carpaccio de lieu Ikejime accompagné de bédé batak, guacamole d'avocat et crémeux burrata. Bon appétit. Merci. Je vous en prie, monsieur. Merci pour madame. C'est l'agneau de chez monsieur Bernard. Face à vous, c'est de la selle d'agneau qui est cuite à basse température accompagnée de potimarron. Braisé, vous l'aurez également en mousseline au sarrasin sobacha, petit jus au sarrasin sobacha. Et sur l'assiette à votre gauche, c'est un kefta d'agneau accompagné de pois chiches et jus réduit.
Et pour monsieur, c'est le maigre de ligne qui a été donc rôti. Vous aurez du brocoli en mousseline. Vous l'aurez également mariné, accompagné pardon, de myrtilles. Et juste ici, c'est un fumet infusé au jasmin. Continuation. Donc pour suivre, c'est le crémeux de gorgonzola. Vous aurez de la poire accompagnée d'huile de noix. Bonne continuation. Donc pour suivre, pour précéder vos desserts, vous aurez un sorbet à la framboise et grue de cacao. Bonne continuation. Sur la figue, il va y avoir deux assiettes. On va y avoir une première donc avec des figues crues de Solies. Donc on est en pleine saison. Avec du pain de gêne. Donc le pain de gêne, c'est une génoise avec la pâte d'amande. Voilà, petit coup de vin chaud. Et dans l'autre, en fait, on aura la figue qui va être rôtie. Enfin, pochée, au vin rouge. On met ça dans l'assiette. Et à côté de ça, on va verser un vin chaud que Alice nous versera dessus au moment du service. Donc, vin chaud, hein, vin rouge, orange, clou de girofle, des petites baies. Pendant ce temps, on va préparer le yuzu. Donc un fond de pâte sucrée, c'est vraiment dans l'esprit d'une tartelette. Donc ensuite, la ganache montée au yuzu, au siphon. Siphon autour. Easy. Ah. Siphon easy. Ouais. Autour, la meringue italienne au yuzu également. Donc c'est vraiment dans l'esprit d'une tarte citron. Hein. Ensuite, le chalumeau, la meringue. Voilà. Ensuite, poivre de Sichuan. On va mettre un petit peu de meringue, ça, juste pour. Toi, tu préfères le poivre de Sichuan? Ouais. T'as jamais essayé le Volsipéry, là? Si, j'en ai, mais avec ça, je. Le Volsipéry, j'aime bien avec le chocolat. Avec tout ce qui est agrumes, j'aime beaucoup le poivre de Sichuan, tout ce qui est baie de macarène, baie de Sancho également, je ne sais pas si vous connaissez. Si, baie de Sancho, mais enfin, c'est pas super. Mais ça titille, ça. Ah bah oui, et ça, oui, complètement. Ça pique pas, mais ça anesthésie un peu la langue. Voilà, oui, exactement. Une fois que tu en as pris dans la bouche. C'est ça. Donc par-dessus, on va les mettre un petit sorbet yuzu. Et j'ai mis un peu de verveine aussi dedans. Hop, par-dessus, sucre pétillant. Ah oui, ça. On va ajouter des petites meringues. Là, on va aller rajouter des petites pousses de mélisse. Les petites fleurs, là, c'est des œillets de passion. C'est un petit bout de fruit de la passion. Petite fleur sauvage. Voilà, donc le yuzu est fini et on va finir. La figue. Alors la figue, on va rajouter une glace yaourt. Et on va rajouter le siphon hibiscus. Voilà, et là le siphon hibiscus. Voilà. Là du coup, on a les deux préparations avec la figue. Voilà. Voilà, c'est bon. Pour madame, c'est la tartelette. Vous aurez donc juste au centre un crémeux inspiration yuzu, meringue italienne, accompagné d'un sorbet au yuzu et à la vanille. Et pour monsieur, ce sont les figues de Soliespont. Face à vous, elles sont servies au naturel, accompagnées d'un pain de gêne. Vous aurez une crème glacée au yaourt, émulsion à l'hibiscus. Et dans le pot, c'est la figue qui est rôtie, accompagnée juste ici donc d'un petit jus au vin chaud. Bonne fin de repas. Vous aurez donc des guimauves au cassis, des choux craquelins accompagnés d'un crémeux donc au chocolat chivara et pour terminer sur le rondin d'acacia, c'est un caramel au beurre salé et sésame. Oh.